y a une liste commune, pardon, mais il y a une liste commune, les Républicains, UDI, Modem dans votre région, et la tête de liste est gênée par vos propos. Si vous ne retirez pas vos propos, soit vous retirez vos propos, soit vous ne serez pas chef de file départemental, dit Laurent Hénard pour l'UDI. Non, je ne retirerai pas mes propos, et le chef de file n'est pas non plus un maître d'école, même si je sais qu'il est enseignant, il n'est pas là pour me donner des leçons de gaullisme, pardon. Hein, donc, j'ai cité le général de Gaulle, qui est pour moi ma référence, hier comme demain, et pour moi c'est une éthique de conduite. Je voudrais vous dire qu'il y a le scénario national, mais il y a aussi le scénario local. Vous le disiez. J'entendais les propos de Laurent Hénard sur d'autres antennes, qui représente l'UDI chez nous, qui, sur ma liste en Meurthe-et-Moselle, ne souhaite pas ce qu'il y ait de Modem, puisque le quota centriste, c'est à la fois UDI et Modem. Alors lui, il ne veut pas de Modem, il voudrait que toutes les places soient réservées à l'UDI. Ça, c'est leur débat interne. S'agissant des candidats qui me proposent... C'est un peu de la cuisine locale, non, tout non, ça. Mais, non, mais pardon, parce que c'est un intérêt quand même national, puisqu'il s'exprime au niveau national. S'agissant des candidats qui me proposent, il y a un candidat qui fait débat et où nous ne sommes pas d'accord avec les Républicains. Alors je pense qu'il s'est engouffré dans la brèche pour dire, bah tiens, on va s'engouffrer dans la brèche, comme ça si on pouvait l'enlever de la liste, on pourrait placer notre candidat. Ça ne marchera pas comme ça, je vous le dis. Parce que je terminerai par ça, Laurent Hénard qui est là pour nous donner des leçons de morale, quand même, je rappelle qu'il avait été candidat en 2010 aux élections régionales et qu'il a perdu et qu'il n'a rien trouvé de mieux à faire que de démissionner dans la foulée. Et de ne pas respecter les électeurs. Pour la liste d'Union, UDI, Laurent Hénard, Modem et les Républicains. Ce que je suis. Parce que quand il parle de la nation, je n'ai rien à retirer de ce qu'il a dit, la nation. Nous pensons la même chose.